Et salut à tous, c'est Furu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo où l'on va bien évidemment pool sur Doko, mais également regarder un petit peu la mise à jour qui nous a été proposée. Donc, dans un premier temps, on va aller voir le Sainte Médaille qui va donner eh bien, le skill d'Ayolos. Ma foi, il est fort sympathique. Alors, j'ai pas encore pris, bien entendu, je vais le prendre. Hein. Mais bon, voilà, c'est un skin en plus, des stats en plus, même si c'est pas un perso qu'on joue beaucoup. C'est plutôt un skin qui, ma foi, est fort sympathique. On va se le dire. Moi, c'est un skin qui me dérange moins que certains. Mais bon. Ça reste que c'est différent de son armure d'or, on va se dire. Du coup, je vais mettre à jour le programme parce que sinon vous allez avoir un délai pour les poules et ça va gueuler. Alors, si on va voir au niveau du shop. Le shop, il n'y a pas grand chose. Je fais un petit tour là, vite fait là. Alors, il y a Star's Tool et puis le All Knowing, hein, comme d'habitude. Le All Knowing peut être sympathique. Mais le reste, les packs sont pas géniales. Le mieux, c'est un pack caché tout à la fin, un Skill Tome Devil Saga pour 1€. Écoutez, si vous n'avez pas monté votre Devil Saga au maximum, un petit Skill Tome pour 1€, ça reste tout à fait rentable, je trouve. Le reste, en termes de pack, c'est vraiment pourri, quoi. Là, celui-là, il n'y a même pas d'étoile dedans. Celui-là, c'est le bon vieux pack qui donne 1€ l'étoile, donc pas rentable. Celui-là, bah, si vous êtes en manque de Skill Tome, à la limite peut-être. Ça, c'est nul. Ça, c'est du random aléatoire, du gacha dans du gacha, c'est encore plus nul. Ça, c'est encore plus nul. Ça, pareil. Bref, il n'y a rien, quoi. Il n'y a franchement rien. Pour quelqu'un qui veut des étoiles, là, rapidement, tout de suite, maintenant, il n'y a absolument rien. Ce sont des packs avec plus de 1$ l'étoile. Et ça, c'est non. Ça, c'est non. Clairement, l'étoile doit, les packs rentables doivent revenir à 50 cents l'étoile, voire moins cher. Pas plus d'un dollar l'étoile, quoi. Au niveau des nouveautés, eh bien, on a le Book of Omnipotence, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour, des parties de RC, mais pour des skins. Vous avez le choix, alors, entre le skin d'Hadès, le skin de Pandore, le skin de Yoga, le skin d'Iki et un doublon de Doko GC. Alors, le doublon, c'est non, moi, hein. Et le seul qui me manque des skins, c'est ce skin-là de Hadès. J'en ai d'autres de Hadès, mais je n'ai pas celui-là, j'ai les deux autres. Donc, bah, let's go, allons-y, tentons notre chance. Un char d'Hadès, une skin Activation Stone, c'est pas mal, ça. Ça donne des skins voucheurs à des plantes à la place, oh, ça peut être sympa. Bon, bien entendu, faut avoir de la chance pour looter ça avec les deux gratuits, mais bon, on n'a pas eu. Le Jamir Hall of Fame, bon, alors on va voter, voilà, et puis, pipo, voilà. Et on récupère une étoile tempo. Bon, je votais Fakir, Huawei, pipo, hein. Au pif, hein, comme ça. Donc, l'instance de Doko, bien entendu, qu'il faudra faire hein, pour aller récupérer quelques petites choses. La Wheel of Fortune, eh bien, on va la faire ensemble. Waouh. Ouh, waouh, youpi. J'aurai moins de temps à... Ah, des gemmes tempo, on peut prendre. Voilà. Donc voilà, bon, bah, j'ai eu les 50 shards d'amitié de Doko, au moins ça ira plus vite pour l'avoir. Bon, bien entendu, on est loin des bonnes choses, mais j'aurais eu ça, ça aurait été pire. Ça, j'aurais bien aimé, par contre. Mais voilà, j'ai pas eu que les pires. Voilà. Ça aurait été pire encore que les shards de Doko. La recharge continue pour avoir un skill tome de Doko à la fin. Encore une fois, si vous ne cherchez que les étoiles, c'est pas rentable. Si vous cherchez autre chose que les étoiles, j'ai envie de dire oui, c'est clairement rentable. 20$ pour un doublon de Doko, pour 10 étoiles, 10 shards de Skill Tome, 150 Refine Lock et 15 Skill Empowerment Stone. Pour 20$, ça reste intéressant. C'est pas excessif. Si vous cherchez les étoiles, clairement, ça vous aidera pas. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant.
Vous avez encore l'échange, donc l'échange, ça fait longtemps hein, qu'on n'a plus vu le 100 étoiles pour 150. Hein. On n'est plus que sur du 40 pour 45, hein, donc on gagne plus que 5 étoiles, tant pot. Un jour, j'espère qu'ils remettront. C'est tout ce que j'ai pris parce que les étoiles, je vais les garder pour Doko, mais il y a bien entendu d'autres choses intéressantes. Ça peut être intéressant. Le skill tome, c'est toujours intéressant. Le doublon, si vous n'avez pas EP ces persos-là, c'est toujours intéressant également. Ça, c'est intéressant aussi. Bref, ça aussi, ça peut être cool. Bref, il y a un tas d'affaires qui sont sympathiques, mais vu que moi, je suis en manque d'étoiles pour le moment, étant donné que ce mois-ci, Huawei ne sponsorise pas les poules, eh bien, du coup, on va y aller avec le nombre d'étoiles qu'on a. Puis on mettra un petit coup si besoin. Le Divine Libra Training qu'on connaît, le Saint Promotion Medal qu'on connaît, les poules, donc vous voyez, j'ai pas fait de poules encore. On va les faire ensemble. Le Total Spending qu'on connaît, l'Epic Ruin Echo qu'on connaît, mais qu'on va quand même claim. Hein. Ça peut être sympa. Ah. Hop, voilà. Et le Daily Stamina, hop, c'est parti. Hop. Je vais juste mettre ça en dimension parce que je suis pas sûr que j'en aurai assez. Bon, une mise à jour hein, qui n'est pas exceptionnelle, comme on l'a dit, à part le doco, il n'y a pas grand chose de nouveau. Et donc, justement, en parlant du doco, allons-y, chers amis. Allons tenter notre chance sur le doco. Très bien, c'est parti. Alors vous me connaissez, je vais tout claquer, sauf si je le loot avant. Allez, voyons voir un peu tout ça. Oui, ça on prendra plus tard. Bon, le lion m'a rien donné. Allons voir sur le cancer. Ah, un gigante. Fut une époque, c'était aussi rare qu'un S. Ah, même pas de shard, là, t'es sérieux là? C'est dur là, tu me tues. Le Libra. Ah là c'est mieux, deux shards, toujours ça. Et le scorpion. Alors logiquement, faudrait s'arrêter là. Hein. 4 multis par jour, c'est ce qu'il faut faire pour se garantir le maximum de shards du personnage. Ah, un S, mais c'est un Seiya. GC, nous en battons le steak. Mais bien entendu, on est là pour l'entertainment. Donc on va continuer bien entendu à poule. Bon, 1S en 4 multi, ça va. C'est pas, on n'est clairement pas sur un mauvais score. C'est toujours pas mal. Le lion veut pas. Hein. Aujourd'hui, le lion, il me dit non. Allez, fais tomber Doko, s'il te plaît. Oh là là, sérieux, pas de shard non plus là. Sur 6 multis, ça fait déjà 2 multis sans shard. Hein. Oh, le taux de drop, tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Alors. Je maintiens que cette shard garantie à chaque multi devrait être donnée. Une shard. On n'est pas gâté en termes de shard, hein, en tout cas. Scorpion qui nous a donné notre premier S tout à l'heure, est-ce qu'il va nous en donner un deuxième? Le Doko avec un peu de chance. Allez, allez! Ah bah non. Ah, au moins lui il nous donne deux shards, toujours mieux. Retournons sur notre fameux lion.
Pour l'instant, c'est pas exceptionnel, hein. On va être pile dans le taux, et encore. Il faudrait looter 2S là pour être dans le taux. Encore une multi sans S. Et là, il faudrait 2S. Bon, je te pardonne si tu me donnes Doko. Ça va. Bon, bah voilà, on est en dehors des taux encore. Moi, c'est tout ou rien, hein. Soit on a énormément de chance, soit on n'a pas du tout de chance. Il n'y a pas de juste milieu. Alors là, ça va se voir. Hein. Ça va se voir le jeu. Hein. Tu m'as donné qu'un S pour le moment, là, ça va se voir. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. Que ça soit pour les shards, on va aller faire un tour ailleurs. On va aller sur la licorne de ma fille. Alors le A c'est bien, mais là il serait temps de leur donner du S. Hein. Ok, on est à 13 multi pour un S. Ça devient dur quand même. Et le shaft, s'il te plaît, c'est bon là. Shaft land là. Retourner sur Lyon, hein, rendu là. Ah, c'est du bon shaft, non? Sérieux. Alors que j'ai pas d'oco. Bon, j'ai envie de dire, vu le nombre de S. Mais là, quand même, pas de S, là, c'est compliqué. Oh là là. Ah, youpi. Un deuxième S en Aldébaran, avec un petit Sean Nebulaire sur la pitié. Et nous sommes qu'à 32 shards. C'est magnifique. Ah, on se fait. Ouais. Là, là. Là, on se fait bien, bien avoir. Heureusement qu'il n'y avait pas de concours. Ouais, hein, parce que. Avec mes 2S en 200, j'aurais pas fait grand-chose. Et non. Ces persos-là, ils devraient même plus être dans le pool, quoi. C'est fini, quoi. Deathmask V1, quoi. Nom de Dieu. Deathmask Aldébaran CIAGC, on est à 3S. C'est ce qu'on aurait dû avoir ensemble. Un Yoga Pog, ça par contre, oui, ça je prends. Un petit peu plus de S, la chance se revient un petit peu. Il est temps, il reste plus que 60 étoiles. Yoga Pog, je prends. J'ai pas monté au max donc je prends. C'est un perso qui peut être utile dans certains cas. Allez! Lui par contre il va être maxé lui. Il va être 5-5-5-5, hein. Ça va, c'est non. C'est bon. Bon en tout cas, les S reviennent, hein. Les S reviennent, on va remonter dans le taux normal. Ce qui est déjà pas mal. Allez. Doko. 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 Choix. Allez. Bon là on est retombé dans le taux là. Les premières multi étaient dégueulasses mais on est retombé dans le taux là donc ça. Bon pas de doco hein, mais forcément il y a tellement de S que ce rate up devrait être beaucoup plus haut. Ah pas de shard, très bien. Ah, la chance se repart. On a un tiers du perso.
est sur la fin, hein, chers amis. Ah, 4 shards, ça, oui. Bon, on l'aura, mais... Je sens que ça va encore me coûter... M'écouter des pépettes, cette histoire. Allez. Non. Ah, je préfère le scorpion, c'est le symbole de Minisaori. Bon, après, on va aller récupérer les étoiles et puis on fera ce qu'on a récupéré aussi. Allez, Doko. Non. 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 Ah, franchement, à part le Yoga Pog, là, ça pue. À part le Yoga Pog, là, très clairement, ça pue. En 250 étoiles, là. Ouh. Bon, il reste 3 multis, du coup. Allez. Allez, Doko, s'il te plaît, c'est ton moment. C'est le moment que tu dois venir. Allez, allez. Ah, bon, Minos, ça va. Minos, ça va. Je prends. Ah, non. Bon, le Champsus est revenu sur le taux de S. Hein. Mais ça démontre encore une fois ce que je disais. Hein. Le rate up, il faut qu'il l'augmente. Hein. Il y a trop de S maintenant. Là, j'en ai eu des S là, pourtant. Mais. Doko, non. Allez, Doko. Allez. Ah, ça devient dur là. On a du S, mais pas le bon. Et la petite dernière multi. Allez. Ah, Ikki GC. Bon, c'est bien, Ikki GC, c'est pas dégueu. Et du coup, on a 56 shards. Donc bon, pour ainsi dire, la moitié. En combien? En 280. C'est pas génial. Ça veut dire 600 étoiles pour l'avoir. C'est pas génial, hein. Le taux de shard est moche. Bon, bah voilà. En tout cas, j'espère que vous aurez eu plus de chance que moi. Parce que là, pour moi, c'est pas tip top, hein. Franchement, on va pas se le cacher. C'est pas des belles multi. En attendant. Je vous rappelle que dans quelques heures, on va se retrouver pour la sortie du jeu Demon Slayer Inokami Chronicles. On va être en live sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée et je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui seront avec nous sur Demon Slayer. Allez, ciao tout le monde!